Of the clock pray at midnight, and they point to the heavens above. At the end of the day, I silently pray that the time will hurry by. Nous nous excusons d'interrompre la très jolie chanson de Don Cornell, mais nous venons tout juste d'apprendre que la police a dû évacuer toutes les gardiennes du sanatorium du Pigro. Celles-ci auraient été victimes d'une intoxication alimentaire déclenchant de graves troubles hallucinatoires. Nous savons aussi que plusieurs pensionnaires ont profité de la situation pour échapper. C'est pourquoi nous tenons à avertir nos fidèles auditeurs de rester très prudents. Car comme vous le savez, ces fugitifs sont des brebis égarés qui malheureusement n'ont pas reçu la chance de faire partie du troupeau de notre très saint père. Vite retour à la musique maintenant, avec notre grand ami Ralph and the Buddy Bones, qui interprète pour nous ce soir « Tell Me Your Mind ». C'était fait. J'étais en dehors de cette satanée prison. Ça a été vraiment trop facile. Un petit coup d'acide dans le roll-mops, et ils me regardaient tous partir avec des yeux de rebelote. Bon, c'était pas tout ça. J'étais en plein bled, et je devais me tirer de là vite fait. Ils n'allaient pas m'avoir si vite. Absolument la trouver. Et vite. Si je voulais quitter ce foutu pays toqué.
devait vraiment avoir la baraque. J'aurais jamais pu rêver mieux. Ce truc-là devait avoir au moins 97 cylindres. Ma mère me l'avait toujours dit. L'amour rentre l'esprit à ceux qui en ont et en donne à ceux qui en ont pas. Bonjour mon cœur, comme tu as bien fait de m'appeler. Non, ne raccroche pas. Je sais, c'est un répondeur, mais c'est lui qui va te dire où me trouver. Allons, viens vite. Laisse-moi pour toi dégrafer mon corsage. Les choses que tu veux me dire, je les sais déjà. Allons, viens, prends-moi. Le meilleur moyen de s'expliquer, c'est de s'étreindre corps à corps. Ne traîne pas, je te fais ma jupe. Nos corps seront d'accord. Ce soir, c'est sur la E40 que tu peux tirer ton coup. Mais attention, avant 2h30, si tu veux tremper ton petit bout, demande à Bretagne, le volcan du Caucase. Voilà enfin cette fameuse tanière. Là-bas au Sana, s'il y avait bien une chose que tous ces fous connaissaient par cœur, c'était bien son numéro de téléphone. C'est moi qui leur avais filé, en disant que c'était une bonne copine, alors qu'ils l'avaient trouvé dans un bouquin de cul. Ils dépensaient tous une fortune à l'écouter. Le premier d'ailleurs. Et ça valait bien ça? Pour une fois qu'on pouvait se marrer sans qu'on nous emmerde. Ouais, bon, je sais ce que vous allez me dire. Et vous n'avez qu'à faire un petit tour à Pigot, puis on en discutera, hein. Bon, allez. On va aller voir si son biscuit a du goût. Le son est mieux que l'image, hein? J'avais laissé le coca sur l'autoroute.
J'allais bien trouver des volcans en activité dans le quartier des boîtes. Cette boîte-là avait l'air impeccable. J'étais déjà comme un vieux bouc en train d'imaginer le genre de fille que j'allais trouver là. Onde o samba tem, canjira também, numa batucada. Tchic-tchic-bum, tchic-tchic-tchic-bum, tchic-tchic-bum, tchic-tchic-tchic-bum. É brasileiro, tchic-tchic-bum, tchic. Com um pandeiro fazendo tchic-tchic-bum. Là, ça allait trop vite. J'ai rien trouvé de mieux à faire que continuer d'accrocher ce rideau là, à mon tube. Flanquer une beigne, elle lui emportait le citron. Cette fille-là tapait drôlement dur. Elle avait descendu au ciné qu'un flic. Même simple comme un verre d'eau, je crois qu'il serait tombé. Seulement, sous comme il était, il restait par terre. La fin, j'ai pas vu. J'avais autre chose à faire. Aimez-vous les spaghettis? Oui? Eh bien, moi aussi. Écoutons alors ensemble Marino Marini dans Magic Moments. Il connaissait rien de moi. Mais ça n'avait pas trop l'air de la tracasser. Elle disait rien. Après cette idée de s'installer comme ça dans la voiture, je pouvais pas m'attendre à grand-chose de normal de la part de cette fille. Après tout, normal ou pas, j'avais ce que je voulais, non? Je la voyais là de profil, elle s'était maquillée les lèvres d'un rouge... un rouge presque noir. Sa bouche avait l'air d'un trou d'ombre. Et où est-ce qu'on va? Tout droit. Oh là, moi je suis allé tout droit. De toute façon, moi ça m'était égal. J'aurais difficilement pu faire autrement, on était dans les tunnels. Time can't erase the memory of this magic moment filled with love. La luna del ciel. Ah, toi ici. Là, je me suis dit merde. C'était le terminus. Donne-moi ta place. Alors là, vous voyez, je venais de voir comment elle avait descendu son type. Alors, je tenais pas trop à me bagarrer avec une femelle de ce calibre-là. Surtout que je m'étais trompé. Ça n'a pas l'air d'être la fin de notre petit voyage. Ouh, cette fille était ferme comme un quartier de frigo. Mais pas tout à fait la même température. Thank you.
Lac, c'était son nom. Elle chantait en attraction en diable amoureux. Quand on s'est vu, elle sortait avec son batteur et son saxo. Des mecs complètement nuls, qu'elle m'a dit. Et racontait toujours la même histoire du type qui savait pas bander. Elle défonçait la pédale à tous les mollies. Je connaissais des types qui traçaient comme des malades, elle les aurait cloués sur place. Elle s'enfilait la ville à un train d'enfer. Moi, je disais rien, mais j'avais pas trop envie que les flics nous repèrent. Ah, c'est vrai que je les avais presque oubliés, ceux-là. That old devil scent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent? Misspent with angel eyes tonight. So drink up. Clac avait ralenti. Je voyais bien qu'elle cherchait quelque chose. On s'enfonçait dans la banlieue. Les avenues étaient vides. Quelques bagnoles. Et un type de temps en temps. Moi, évidemment, je me suis dit qu'elle cherchait un petit coin pour passer à des choses plus sérieuses. Je me trompais juste sur la notion de choses. Elle était une bombe, une merveille, un vulcano. Eduardo, pourquoi qu'une femme ne fera jamais assez chose? Mais tu comprends rien. Tu te la mets chez toi, tu me sers une blue lagoon. Tu vois déjà Cécile comme des papillons danser autour de la flamme. Et puis tout à la longe sur le tapis bleu. Eduardo, c'est la carpette bleue. Bah. T'as pas ça, viens ici. Bastardo, bastardo, cornuto là, non zapata, ah! Non, elle avait été fort. Elle avait vu le chien, j'en suis sûr. Mais au lieu de freiner, elle accélère. Pour tous les amoureux qui n'ont pas cédé les trains, en voici plus avec Girl, une très belle balade, Suicide. Oh, Girl. Moi, je ne comprenais plus. À plus, ça m'était égal. Très bien. N'empêche. J'étais vaseux, rien qu'à la voir, comme ça. Comme quand on se lève après un mois d'hôpital. Et elle continue à rouler. You know. J'étais sûr qu'elle avait vu avant moi. Qu'est-ce qu'elle voulait faire ici à côté de ce singe?
ce n'est pas Anita. Allez, démarre. On s'en va. Non, c'est lui qui va s'en aller. C'est ici, non? J'avais plutôt la sale impression que le chat venait de trouver la souris qu'il cherchait. Pour jouer. Laisse tomber. Là, je voulais tout plaquer. Mais quand j'ai vu la tête de Slack, j'ai rendu mon image. Vous savez, quand on met soi-même une femme dans cet état-là, c'est bien. Et être à des kilomètres de penser à ça. Et la voir là, comme ça, d'un coup. Numéro 19. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Je suis en dehors de cette foutue prison. Bon, il me reste 10 heures pour choper la côte et atteindre ce bateau pour Bamako. Bah, ça va être suffisant. Ils m'auront pas comme mon couillon frère, ceux-là. À moins que... Thank you.
ist erst einmal ein Wunder geschehen. Und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen. So groß ist und so wunderbar. Wir haben beide. Liebe dich, liebe dich, wenn es dir lieben ohne singt für mich. Doch ich weiß mehr. As I whisper your name, does your heart do the same when the hands of the clock pray for you?